Commission nationale des professions foraines et circassiennes, qui a le grand honneur d'être accueillie à Bayeux aujourd'hui, grâce à l'initiative d'Arnaud Tancrel, à votre initiative, a été créée en 2017 pour créer un dialogue continu entre les représentants des collectivités territoriales, les représentants de l'administration de l'État et les représentants des professionnels forains et circassiens, pour que les problèmes rencontrés par les uns et les autres soient débattus et qu'on puisse, si possible, y trouver des solutions. Il y a bien entendu, en dehors des problèmes ponctuels qu'on peut contribuer à résoudre, il y a eu, il y a quelque temps, le problème de l'alimentation électrique, par exemple, qui a trouvé une solution dans un accord avec Enedis, qui a été autorisé par la CRE à proposer des forfaits de raccordement. Il y a la mise en place des commissions départementales des professions foraines et circassiennes pour que, au plus près du terrain, élus, administration de l'État et professionnels puissent discuter. Les meilleures solutions se trouvent le plus souvent le plus près de là où se pose le problème. Donc c'est, je crois, une belle déclinaison. Il faut que nous fonctionnions en réseau pour que les bons exemples aident les endroits où on ne les a pas encore trouvés, pour que chacun ne réinvente pas l'eau chaude et profite de l'expérience des autres.